On parle beaucoup actuellement de laïcité à propos justement de Hanouka. Pourquoi est-ce qu'on laisse Hanouka s'étaler sur la place, sur les places de Paris, devant la Tour Eiffel, la place de la Sorbonne, à l'Élysée, etc. Et effectivement, il faut réfléchir sur la notion de laïcité. Est-ce que la laïcité, c'est l'interdiction pour les différentes religions de faire ceci ou faire cela? Et d'autre part, surtout, et ça me paraît essentiel, même si ça doit scandaliser certains, est-ce que le judaïsme est une religion parmi d'autres? Ou est-ce que c'est une religion centrale, une religion pivot? À partir du moment où elle est une religion pivot, il est normal qu'elle ait une place pivot. Alors, on peut en discuter, bien entendu, mais je crois que commencer à dire qu'il n'y a pas de raison que les Juifs fassent plus que les autres, etc., ça c'est déjà de l'antisémitisme, disons les choses très clairement. La négation du fait juif dans ses différentes dimensions, aussi bien les plus élevées que les plus exécrables au niveau de la Shoah par exemple, ça c'est un double négationnisme. Alors, on peut, le fait juif, il est voué à être l'objet de négationnisme, et c'est évident. On va nier que les juifs ont été exterminés, on va nier que les juifs puissent avoir été le peuple élu, et donc finalement on nie dans les deux sens.